j'ai la haine, police veut m'attraper. Ok, ok. 10 euros pour. Alors, c'est bon, on pouvait aller à 16 joueurs. Mais je t'avais vite fait. Là, on va aller à 16. On va aller à 16, mais là, c'est bon, 14. 7 euros pour Elias, 7 euros pour Enzo. 3. Bah, parce que t'as 14 minutes de retard. J'ai prévenu, le tram il avance pas et le bus il passe pas par là. Mais ça, c'est pas le problème. Ah ouais! Moi je suis là à 18h, ouais, je suis. Hein? C'est dingue, tu vois. Faites quoi? Faites quoi? On fait la queue. Pas pour nous? Quand on équipe pas, il y a que je fais des bulles. Je n'ai pas d'avis. Je suis sur des bulles, je suis pas prêt. Un match de Ligue des Champions. Oh, le terrain, il a l'air catastrophique. Il m'énerve. Regarde le gars. Stabilisé! On va juste sur quoi? Stabilisé. T'es content? T'es refait? On va faire une causerie, ça va être très simple, très net et précis. L'équipe d'en face, vous êtes normalement largement au-dessus. Par contre, à chaque fois qu'on vous dit que vous êtes au-dessus d'un adversaire, c'est là où vous commencez à déjouer. Au jour d'aujourd'hui, là, vous ne devez pas déjouer votre match. C'est impossible. C'est impossible. On part sur une composition très basique, 4-1-4-1. Ganga, Enzo. Sur un terrain stabilisé ou sur un terrain en herbe, vous les trouvez un maximum dans les pieds. Là où ils sont dangereux, ces deux joueurs-là, c'est quand ils ont la balle dans les pieds, pas quand ils sont lancés en profondeur. Derrière ça, allez chercher haut, c'est une équipe qui joue en U17-D2, les mecs. Hein. J'ai regardé tous leurs résultats, ils ont marqué à tous leurs matchs. Par contre, ils ont pris à chaque fois minimum le double ou le triple de leur but. D'accord? S'ils marquaient deux buts, ils en prenaient 6. S'ils marquaient un but, ils en prenaient 3. Mais ils sont capables de marquer, donc il ne faut pas les faire espérer. Surtout sur ces terrains catastrophiques, les gars. Si on loupe le premier ballon, ça peut arriver. Parce que par exemple, on imagine Ganga au duel face à un plus grand, il perd son premier ballon. Le deuxième ballon, faut y être. Le deuxième ballon, faut avoir la dalle. Allez, on y va. Le rouge. Il faut arriver, on nous explique que ça ne sera pas possible de jouer sur un terrain en herbe qui était totalement praticable, mais qu'on devra donc jouer sur un stabilisé. Vas-y, répète ce que t'as dit. Eh, hey, dédicace à Pierre, hein, là où je suis sur tes frères, là. Voilà, comme tous les week-ends, on doit jouer sur un terrain en herbe qui est plus que praticable par l'arbitre officiel en Coupe U17. Le président arrive et le président dit « Non, on va jouer sur stabilisé. Demain, on a deux matchs seniors, dont un amical. » Donc voilà, Loire Foot Alliance, merci quand même. Le coach voulait jouer aussi sur le terrain en herbe, mais il n'a pas eu l'accès par le président. Et voilà. Mais le match n'avait pas commencé. Regarde le terrain. Regarde mes buts. Prenez l'information du terrain, vous avez vu, ça rebondit pas du tout. J'aime pas mauvais gardien. Avec eux. Samuel, viens. Pour retenir. Et je veux que vraiment là, à la fin du match, ils soient dégoûtés. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Montrez qui est l'étoile du sens. Ils ont peur de vous, ils vous connaissent par les vidéos. Maintenant, faites-leur manger, leur stabiliser. Mettez-leur des coups d'épaule, je veux qu'ils mangent. Allez, les gars. Ouais, allez, allez, allez. Je me sens bien. Je vais prendre le terrain. Ouais. Un pronostic, un score. 5-1. 5-1. Parce que je sens qu'on va se prendre un petit but. Mais après, voilà. Mmh. Je pense qu'il y a une victoire plus de 4 buts. Hein. 4 buts. Et toi, personnel, une passe D, un but, quelque chose? Ouais, ouais, deux, un but minimum. Vas-y, carré. Bien joué. Ailleurs. Ailleurs. Non, mais non, mais non, mais non, mais. Bien joué Rudy! Bien joué! Super Rudy, bien joué Ganga! Premier but de la saison. Eh hey, mais les gars,
Les gars, on est sur son terrain, on est sur son terrain, République démocratique du Congo, j'ai dit tout à l'heure, Mirage David. Voilà, c'est ça, tiens ça, ça va. De Riyad, tu cours avant. Tiens, mets le manteau, mets les chaussures et tu vas tranquillement marcher à la place de Riyad. Prends des petits bonbons. C'est joué. J'ai marqué en but une passe D. T'as qu'à qu'on va danser la moula comme ça là. Danse un peu. Raconte, t'as marqué du pied gauche ou du pied droit? Bien joué! Parce que je sais pas, si j'ai l'impression que t'es dans tes deux pieds. J'ai fait ça et elle a tapé mon pied gauche. Arrêtez de parler, y'a rien qui gagne les gars. Strictement rien. Eh, déjà vous m'approchez, c'est que j'aimerais qu'on mette davantage d'impact. Ok? Dès qu'on reçoit un ballon à l'intérieur du jeu, vous ne pouvez pas vous permettre de faire 3-4 touches de balle. C'est impossible. Mandela lui dit, oh, quand on va sur les côtés, ça doit finir par un centre. Tu as vu ton premier but? Ouais. On ne centre pas assez encore. C'est un centre, Léonie. Mais, ouais. Ah, mais ça m'a servi, c'est le survêtement. Oui, oui, prends le rouge. Vous prends le rouge et puis... T'as plus d'excuses. Ouais Ganga, ouais, bien joué petit. Là il va rater. Ouais Ganga. Ganga la moula. Tchoukou. Ben tchoukou. La moula. Bien joué Ganga. Doublé. Et merci. Mets un petit but à Sam. Mets un petit but. Ertan. Ertan.
dit après le match. L'arbitre se met en rouge direct, moi. Tout à l'heure, je te défends, là, t'es indéfendable. Tu niques ton image, là. Peur. On est reçu ici comme des clowns. On accepte de jouer sur un stabilisé alors que normalement on doit jouer sur un herbe. On est gentil avec eux, on les respecte et là ils nous prennent pour des clowns jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça a été correct. Par contre, contre une équipe comme ça, je suis pas d'accord qu'on prenne deux buts. Juste ça. Qu'on soit à 10 contre 11, même à 8 contre 11, on ne doit même pas prendre deux buts contre. Ok ? Vous avez fait votre part du boulot, c'était quand même difficile malgré le terrain et les conditions, mais s'il vous plaît, arrachez le vestiaire. Arrachez le vestiaire. Mais non, prends une photo, les gars. Doucement, parlez doucement, vas-y. Exactement. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. Nous c'est cap. Les gars, aujourd'hui c'est le match contre les pros féminines du FC Nantes. J'ai débité un père, j'ai pris des sommes de fou dans des palaces. Yeah, elles ont déjà leur carrière. Si vous leur brisez leur carrière, ça sert à rien. Comme faut que tu laisses tomber. J'ai repris le job, mis la combi stone. J'croyais que c'était pas possible compter autant de blé. Qui sont-ils vraiment? Digo, mais qui sont-ils vraiment?